Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui. L'Eloi Nishmat Rivka Batsara. Rachel Hachel Batsara. Moshe Ben Sultana. Moshe Michel Ben Machlouf. Zohar Rozet Bat Sultana. Avesefraim Ben Nemasimcha. Zohar Ben Mazatov Shish Fortish. Si vous souhaitez vous aider à une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Baba Batra. Perektet Mishnah Chet. Nafal Habait Alav Veal Aviv. O Alav Veal Morishav. Veaita Alav Ketubat Isha ou Baal Chov. Yorshe Ahav Omrim. הבן מת ראשון ואחר כך מת האב ועלי החאוב אומרים האב מת ראשון ואחר כך מת הבן בית שמאי אומרים יחלוקו ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן. On a une situation qui va se retrouver de trois manières dans les prochaines Mishnayot, Mishnachet, Tet, Yud, jusqu'à la fin du Perek, avec quelques petites nuances bien sûr, où on va avoir, on va rentrer dans les sujets de prochaines Mishpat, des conflits, des différends d'argent avec deux personnes qui se battent, à savoir qui a raison, comment trancher entre les deux, cette fois-ci en rapport avec les lois des héritages. Et on commence, on lit, on traduit et on explique. Nafal abayit alav ve'al aviv. La maison s'est effondrée sur lui et son père. Il y avait un enfant qui s'appelait Reuven, un enfant, un grand enfant, le garçon de Yaakov. Donc Yaakov et Reuven étaient dans leur maison, et à Shamir Achem, il y a eu un tremblement de terre, la maison s'est effondrée, on a retrouvé tous les deux morts. Bien sûr, à part le côté triste, il y a des problèmes d'argent qui vont naître, à savoir dans quel ordre ils sont morts, et ça aura des conséquences fortes sur des différents d'argent, comme on va l'expliquer tout de suite. Ou encore un autre cas de figure, c'est le même principe, au alav ve'al morishav, ou encore sur lui et sur le morish. Le morish, c'est le contraire de l'héritier. J'ai cherché dans le dictionnaire comment dire le contraire de l'héritier, je ne l'ai pas vraiment trouvé. Il y a soit le dekuyus, il y a le légataire, mais c'est pas exactement ça. En tout cas, concrètement, il y a tout rapport entre deux parents, donc il va y avoir un héritier, et bien le contraire de l'autre, c'est le parent qui veut le faire hériter, on va l'appeler le parent. Ça revient même, la Mishnah, elle a pris, de toute façon, on n'en a plus besoin pour la suite. D'accord ? Donc pour le moment, on reste avec le cas de figure de Yaakov et de Reuven qui sont dans une maison, et la maison s'effondre. Maintenant, Ve'aita Alav, et il y avait sur le fils, l'héritier. Il y avait sur ce Reuven, il avait comme dette une ktouba tisha ou baal chov. Il avait soit une ktouba à payer à sa femme divorcée, ou encore à son baal chov, à son créancier, il avait des dettes d'argent. Et bien sûr, on a un problème. Il manque la petite transition. Avant de nous projeter dans la scène, on a un problème. Tout d'abord, une petite introduction rapide. Quelqu'un qui décède et qui a des dettes, s'il a laissé des biens, alors les créanciers pourront venir se servir et récupérer l'argent de ses biens qu'il a laissés. S'il est mort sans biens, les enfants n'ont pas de devoir de payer les dettes du père. Les enfants payent les dettes du père uniquement si le père il a laissé des biens. S'il n'a pas laissé de biens, les enfants ne payent pas des dettes. D'accord ? Maintenant, on a fini la parenthèse, maintenant on revient. Reuven, lui, il est décédé, il avait des dettes. Et il y a son père, Yaakov, qui est décédé plus ou moins dans le même incident. La question maintenant est de savoir, est-ce que, qui est décédé le premier? Si Yaakov il est décédé le premier, ouais, sa Neshama elle est remontée au ciel avant celle de Reuven, il s'avère que pendant une seconde, deux secondes même, ben Reuven, il a possédé tous les biens qui appartenaient à son père, il les a possédés, et ensuite Reuven est décédé. De ce fait, ses créanciers vont pouvoir venir se servir des biens qui appartenaient initialement à Yaakov, que Reuven a hérité avant de mourir, et maintenant ils vont pouvoir se servir pour récupérer leurs dettes. Ou bien, si Reuven est décédé avant Yaakov, il s'avère que Reuven, eh ben, il est décédé sans avoir de quoi se faire payer les dettes, les pauvres créanciers n'auront qu'à pleurer doublement sur le défunt, et les héritiers de Yaakov maintenant hériteront eux les biens directement de Yaakov. Pire que ça, il peut même s'agir aussi des enfants de Reuven, ouais. On va prendre un cas, en fait, il y avait Yaakov, Reuven, et les enfants de Reuven, Hanoch et Falou, comme dans la Torah. Et Reuven est décédé, et maintenant, si Reuven est décédé avant Yaakov, il s'avère que Hanoch et Falou, au moment du décès de Reuven, les créanciers, ils sortent bredouille. Ensuite, Yaakov décède, Hanoch et Falou héritent directement de Yaakov sans que ça passe par l'intermédiaire de Reuven, puisque Reuven, il est déjà parti. Alors, c'est là la grande dispute qui se passe.
Yorshe Ahav Omrim, les héritiers du père, qu'il s'agisse de Chanoch et Falou, qu'il s'agisse de Shimon et Lévi, ça revient exactement au même. D'accord? On a compris le principe? On a compris le différent? Qu'est-ce que chacun veut affirmer? Donc, Yorshe Ahav Omrim, les héritiers de Yaakov, du père, disent Haben Metrishon, le fils Réhoven est décédé le premier, et donc les dettes se sont évaporées, et ensuite Vacharkach Metav, et seulement après est décédé Yaakov. Et donc maintenant, les biens de Yaakov reviennent aux héritiers, et sûrement pas aux créanciers, puisque Réhoven ne les a pas eus, et c'est tout. Mais les Achov Omrim, tandis que les créanciers disent quoi, eux? Ils disent le contraire. Non! Ha'av met Rishon, Yaakov est décédé le premier, Vacharkach met Aben, et après il est décédé le fils, soit Réhouven a pendant une minute, le temps qu'il son cœur lâche, il est mort milliardaire. Il était pauvre toute sa vie, il avait que des dettes, mais pendant 15 secondes, il a été riche, le temps de mourir. Il a hérité tous les biens de son père Yaakov, il a été millionnaire, maintenant il a laissé des biens, et donc nous maintenant on va venir se servir et récupérer nos dettes de ses biens. Que fait-on? Bet Shamay Omrim, Yachaloku, Bet Shamay Omrim, qui devront se partager. Il n'y a personne qui réussit à avoir une cause face à l'autre, dans le doute on partagera. Au Bet Hillel Omrim, et Bet Hillel disent, Nechassim Ben Chezkatan, les biens restent dans leur Chazaka, dans celui qui est pour le moment, qui les détient. C'est flou comme réponse. Et on explique tout de suite qu'est-ce qui se passe. Bien sûr, vous vous rappelez de la grande règle. Et que si la grande règle, tout le monde réagit, c'est sûr. Zeklal Gadol Bedin, Amosim Chavor Lavaria. Celui qui veut faire sortir de son prochain, à lui de rapporter la preuve. Là, on a une petite difficulté. C'est qu'il y a, en théorie, personne qui est Motsi. On a cette situation, il y avait Yaakov et Réhouven. Et après, on a les enfants. Les enfants, ils ne possèdent pas les biens. Si, toutefois, Yaakov est décédé dès le premier, les biens, ils sont directement passés depuis Réhouven jusqu'au créancier. Et si, toutefois, Réhouven est décédé dès le premier, alors les biens passent de Yaakov à Réhouven. En fait, on se rencontre tous les deux. On se rencontre tous les deux. Moi qui prétends qu'ils sont décédés dans cet ordre-là, et vous qui prétendez dans l'autre sens, on ne sait pas qui c'est qui possède. Il y a ici une certaine difficulté. On ne peut pas définir qui est celui qui détient et c'est qui m'a fait sortir de l'argent. C'est pas qui détient les biens. C'est soit maintenant, c'est soit les créanciers, soit c'est Hanoch et Falou. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est justement, je ne sais pas par qui commencer. Je pense qu'on va plutôt commencer par expliquer d'abord l'habit de Beth Hillel. Que signifie Nechassim Bechazkatan? Alors, il faut savoir, il y a une autre règle dans le chasse qui ressemble beaucoup à la notion de Zeklal Gadol Bedin Amotsim Chavor Lavaraya. Ça s'appelle En Safek Motsim Devadai. On se retrouve devant une situation où il y a deux personnes qui vont se retrouver. On va en avoir besoin dans les prochaines Mishnayot de l'exprimer de cette manière. Bon, il y a des biens que Yaakov a fait hériter à ses descendants. Lui, il est décédé. Il y a des biens. Maintenant, on va se retrouver avec plusieurs personnes. Certains sont certainement héritiers, d'autres sont peut-être héritiers. Il y en a qui sont vadaï héritiers, et d'autres qui sont safek. Alors, on a une règle qui nous dit « En safek motsi mide vadaï ». Quelqu'un de deux ne peut pas faire sortir de l'argent de celui qui est certain. Moi, je viens, j'ai mon passe pour pouvoir saisir les biens qui sont là, parce que je suis certainement héritier. Peut-être que toi aussi, tu es héritier avec moi. Peut-être oui, peut-être non. Mais dans le doute, en tout cas, tu ne peux pas venir, toi, me faire sortir de l'argent. C'est à peu près le même principe que Motsi Mechavero al Adraya, exprimé un petit peu différemment dans la mesure où il n'y a personne qui détient. Il y a juste des biens qui sont là. Il y a des gens qui sont titulaires, qui ont le droit de venir se servir. Et d'autres, on ne sait pas ce qu'ils ont le droit. Donc dans ce cas-là, on va dire, les douteux ne peuvent pas venir faire perdre à ceux qui sont vadaï. Maintenant, donc on a compris maintenant la vie de Beth Hillel. Ce qui se passe, c'est qu'on reste avec Hanoch et Falou. Les biens, jusqu'à preuve du contraire, ils étaient dans la famille. Yaakov, Réhouven, et après Hanoch et Falou. Ils restent pour le moment dans la famille Israël. Ils sont jusque-là, ils sont là. Et on ne sait pas est-ce que d'autres personnes ont le droit de prendre. Nous, on est certainement héritiers. Peut-être qu'on doit te payer, peut-être qu'on ne doit pas te payer.
C'est-à-dire, dans la mesure où nous, on va hériter, ou Khanou Khefalou vont, eux, hériter les biens. Donc, pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, eux, ils ont hérité les biens. Et peut-être qu'ils doivent payer les dettes de leur père. Donc, en réalité, on a, oui, en l'occurrence, quelqu'un qui est Mourzak même. On a ici Khanou Khefalou qui sont Mourzak, ceux qui détiennent les biens jusqu'à preuve du contraire. Et peut-être qu'ils doivent payer une dette, peut-être qu'ils ne doivent pas la payer. Dans ce cas-là, on les laisse à eux. Les biens, c'est l'avis de Hillel qui dit Nechassin Bechaskatan, on laisse les biens dans la famille. Dans ce cas-là, pourquoi Beit Shammai ne dit pas cette règle? Alors là, ça touche un sujet un petit peu différent. C'est que Beit Shammai estime Shtar Aomed Ligvot Kegavu Dami. Un contrat qui est potentiellement, me donne un droit de partir me faire rembourser, on considère que je détiens déjà ces biens. Soit, si j'ai un contrat que vous me devez 1000 shekels, ça s'appelle que moi je possède déjà les 1000 shekels qui sont chez vous. Soit vous avez des biens, vous croyez que dans votre compte en banque vous avez 100 000, c'est pas vrai, vous n'avez pas 100 000. Il y a 99 000 à vous et 1000 qui sont à moi. Tout simplement. Le fait que j'ai un shtar fait que c'est kegavouille d'un mille, comme si je l'avais déjà encaissé. En l'occurrence, ça c'est les Beit Shammai qui le pensent. On ne tient pas comme ça pour la halakha, mais en tout cas c'est la vie de Beit Shammai. En l'occurrence, lorsque Yaakov et Reuven sont décédés, supposons que Yaakov est décédé premier après Reuven, alors les créanciers sont directement devenus possesseurs des biens. À la différence que de Beit Hillel, que sont Beit Hillel, on ne devient pas, ils ne sont pas encore devenus possesseurs. Ils ont uniquement un droit de venir se servir. Mais pour le moment, les biens, ils sont mourzakim, ils sont détenus par Khanou Khefalou qui doivent, soit oui, soit non, payer la dette de leur père. Ça, c'est selon Beit Hillel. Selon Beit Shammai, non. Si toutefois Yaakov est décédé le premier, ce sont les créanciers qui détiennent à présent les biens. Parce que Reuven, dès qu'il est devenu possesseur, eux sont devenus à leur tour possesseurs de la dette qu'il leur devait. Et c'est sûrement pas Khanou Khefalou. De ce fait, il n'y a personne qui est Mourzak, il n'y a personne qui détient. On ne sait pas qui détient entre Khanou Khefalou et les créanciers. De ce fait, on coupe la poire en deux. Moitié pour les héritiers, moitié pour les créanciers. On a fini la Mishnah. On fait à présent le Morten Roi. Yorshe Ha'av, j'espère que j'étais assez clair. C'était un peu délicat à expliquer cette fois-ci, mais en tout cas, heureusement, parmi les trois cas de figure qu'il va y avoir, c'était le cas le plus simple. Demain et après-demain, ça va se compliquer davantage, mais pas Bezrat Hashem, vous savez bien, on t'explique très bien, nous. Yorshe Ha'av, j'aime pas me vanter. Yorshe Ha'av Omrim Aben Met Rishon. Les héritiers du père disent, c'est le fils qui est décédé le premier. Et de ce fait, et le créancier ne peut pas se faire rembourser depuis ses biens, à partir de ses biens, car le fils, soit Reuven, n'est jamais devenu possesseur de ses biens. Tandis que les créanciers disent non, c'est le père, c'est Yaakov qui est décédé le premier. Et les biens sont donc tombés en héritage devant Reuven, et juste avant qu'il claque, le pauvre. Et de ce fait, maintenant, ces biens sont maintenant par eux, ils viennent assurer le droit de se le faire rembourser pour la Ktouba ou pour les créanciers. Beit Shammai Omrim Yachalokou. Beit Shammai disent que dans ce cas-là, il faudra partager. Pour quelle raison? Des cassavrés Beit Shammai, car Beit Shammai pense Shtar Omei Ligvot Kegavui Dami. Un contrat qui est potentiellement apte à se faire rembourser, on considère qu'il est déjà remboursé. Le fait que je détienne un Shtar fait que je suis possesseur des biens, de vos biens. Il y a écrit que vous me devez 1000 shekels, je possède dans vos biens 1000 shekels directement. C'est une vraie possession. C'est pas juste un droit de venir saisir, mais c'est qu'ils sont considérés comme à moi. C'est un avis qui apparaît dans plusieurs halakhot dans le chasse. En voilà une. Veyoshe Ha'av, Oba Alechov, Tarvayo Mourzakim Havu, Olefikach Echloku. De ce fait, il s'avère qu'ils sont tous les deux Mourzakim. On n'est pas capable de définir, il y en a un qui détient et à l'autre de prouver qu'il vient faire sortir. Non, on ne sait pas qui détient. De ce fait, on considère que c'est tous les deux qui sont Mourzakim, donc ils devront le partager. Donc Beit Hillel Omrim, tandis que Beit Hillel pense. Et alors, il ne précise pas le Morten Roi, mais on le déduit du Morten Roi d'avant, que Shtarov Mahomed Ligvot Lav Kegavu Idami. Le fait de détenir un contrat, un Shtar, contre quelqu'un, ne fait pas que je suis possesseur des biens. Ça fait juste que j'ai un droit de venir les prendre. Et de ce fait, puisque je viens maintenant vous voir en disant que peut-être vous me devez, vous allez me dire peut-être, peut-être, vous les gardez vous-même. C'est ce qu'il nous dit, Beit Hillel Omrim, Beit Hillel pense, Anechassim Bechaskati Urshim.
Les biens sont détenus par les héritiers et ils sont considérés comme des teneurs, c'est eux qui les détiennent pour le moment. Et de ce fait, c'est le créancier qui vient prétendre qu'il doit peut-être se faire rembourser. Et c'est donc à lui, au créancier, d'apporter une preuve que le père est décédé le premier. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.